Père Noël! Père Noël! Eh ben non! Eh ben non, le Père Noël, il n'est pas là! C'est Kageki! C'est Kage quoi? C'est Kage Ombre! Bienvenue à tous! J'espère que vous êtes en forme et bienvenue! Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Noël, bien sûr! Les cadeaux qui vont pleuvoir, c'est ça qu'on veut! Bien sûr que c'est ça qu'on veut! Hey! Mais t'es qui, toi? Moi, c'est Kage Ombre! Kage qui? Kage Ombre, bien sûr! Kage quoi? Kageombre, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on fait quoi? On fête Noël, ouais! Et tu sais quoi? Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau petit jeu qui s'appelle comment? Qui s'appelle Godfall! Ouais, mon poteau! Ça va être un truc de fou, je te dis, ouais! C'est un jeu qui est sorti au lancement de la PS5. Et aujourd'hui, vous savez quoi? En décembre, vous avez, pour ceux qui ont la PS5, vous avez encore quelques jours pour télécharger le jeu sur le Play Store. Ouais, car il est gratuit. Alors téléchargez-le, testez-le et regardons ensemble ce que ça vaut. En tout cas, bon visionnage, joyeux Noël. Et en tout cas, je voulais aussi vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Allez, en tout cas, prenez soin de vous et à bientôt. Ouais. It was all a lie. Makros sold us a vision he never believed in. He would destroy us. We just didn't know it yet. We were warriors, but he turned us against each other. Brother against brother. And despite all the maneuvers and all the strategy, in the end, it was going to be either me or him. Makros was the better warrior that day. He left me for dead, but I survived. Makros thinks the war is over, but our fight has just begun. Godfall! Wow, mais c'est quoi cette cinématique là? Ok! On va aller lui répéter la face à Dallas. Bienvenue dans Godfall! Vous êtes avec qui? Avec le Kageki? Le Kage quoi? Le Kage Ombre? Oui, j'ai raté, c'est pas grave. Les petits oiseaux. Alors c'est quoi cette version du jeu? You understand how important this mission is. The weapon we need is inside this temple. Sir. You can count on us. You two cover the back. I'll take the front. Je passe devant. Alors, on se retrouve dans Godfall. Oh là 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 là.
Alors, courir, tourner. Ah, faut rester appuyé pour courir. Ok, faut rester appuyé. Alors, un des premiers jeux qui est sorti sur la PS5. Bon, allez, on va avancer. Trouver l'entrée du temple de... Le temple Soulforge. Est-ce qu'il y a des trucs à faire, là? Non? Ok, X, c'est pour reculer rapidement. Is your armor holding up? It's sluggish. Visez le déphaseur actif bleu. Maintenez la touche rond pour vous téléporter vers lui. Ok, on peut se téléporter. R1, attaque normale. Pour une attaque lourde, très bien. Ah bah ça commence bien, je me fais attaquer par des vers de terre, ouais. Qu'est-ce que c'est que ces bestiaux, ouais. Attaque lourde, ok. Et si je reste appuyé longtemps? Tiens, il est où le problème là, espèce de ver là, tiens. Je pète tout moi, je pète toute ta famille moi. Vas-y, viens avec ta famille, je m'en fous, viens. Sortez de là, bande de verrues là. Bande de verrues. Galeuse, je suis le Godfall. Je suis le Godfall. Bon, ok, on avance. On casse tout, j'ai dit. Très bien. Ah, un nouvel ennemi est apparu devant nous. Pour verrouiller les cibles des ennemis. Très bien, on verrouille. C'est bon, on l'a verrouillé. Est-ce qu'on peut lui faire une attaque sournoise? Non, même pas, dommage. Schleck! C'est bon? T'as kiffé ou il a pas kiffé? On casse tout, nous! On casse tout! Donnez-moi des trésors, ouais! On est un chevalier, ouais! Alors, rond pour sauter par-dessus les trous. Très bien. Est-ce qu'on peut enchaîner R1 et R2? Ah. Bah vas-y, là, tu tapes son pote. Il est complètement malade, ouais. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il faut pas voir, là? Sir, you're still injured. Doesn't matter. Oula, le sprint final, le sprint final! Voilà! Oh mince, pour effectuer une quoi? Une démolition. Merde! Merde, j'ai raté la démolition! Oh, le con, ouais. À force de courir comme un dératé, ouais. Ah bah ok, mais on l'a eu la démolition. On l'a eu la démolition, y a pas de problème. C'est bon, ils sont morts, parfait. Ok, esquiver. Ok, le système de verrouillage, il est simple. C'est ce qu'on aime. Oh là 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 là. Easy, ouais. Comme ça qu'on le tue, mon gars. C'est comme ça, je te dis. Fais le ménage. Aïe. J'ai raté le bouton de l'esquive. Allez. Tu fais quoi? Tu fais quoi, là? Tu fais rien, mon gars. Ça explose de tous les côtés, ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il me veut? Allez. Esquive. Je charge la puissance et schlack. Alors, pierre de vie, appuyez sur carré pour restaurer votre santé. Les pierres de vie ont 3 charges. Vous pouvez les remplir en ramassant d'excédents des globes de santé verts. Trouvez des globes de santé verts sur les ennemis vaincus. Parfait. Eh ben on en mange un. Voilà, parfait. Comme ça on est full life, ouais. On a quoi ici? On a rien. Ah, c'est un peu chiant, par contre. Il parle à qui, là? Tu parles à qui, copain? Il parle à son masque ou quoi, là? Il est complètement taré. Je sais plus ce que je voulais dire, bref. Ah oui, c'était par rapport au système pour courir. Il était pas terrible. Le fait de rester appuyé sur R3 pour courir, honnêtement, c'est pas fou. Ah, c'est lui qui fait chier tout le monde, là. Fais pas chier ton monde, toi. Oh! Là, on peut pas y aller. Pourquoi on peut pas y aller? C'est quoi ce truc? Un bouclier! Ah, un petit bouclier pour se protéger, c'est parfait. Ah ouais, ils ont des guns! Ah ouais, ils ont des guns!
Mais moi j'ai une épée, mon gars, fais pas chier, ouais. Oula, ils arrivent d'une autre galaxie. Pour l'instant, c'est du gameplay simple et efficace. Pourquoi pas. Des graphismes jolis. Un peu très linéaire par contre. Bah, direct ça. Ça dé... Mais on est ultra cheaté comme personnage, c'est un truc de fou ça. On est ultra cheaté. Lancer... Ah ouais, on peut le lancer. Alors, pour viser et R2 pour lancer le bouclier. Ok, tac, tac. Ça les fait tomber. Alors, attention, on va balancer du bouclier, là. Balance de bouclier! Ok, ça c'est fait. Bon. Par contre, le bouton X pour esquiver, c'est pas le meilleur bouton, quand même. Ah, je peux plus je voulais balancer mon bouclier, je pouvais pas. Je ne pouvais plus balancer mon bouclier. En revenant encore. Putain, en revenant encore. Ils en veulent encore. Ils en redemandent. Ils en redemandent, je vais leur en donner, moi. Oh putain, je me fais défoncer, bordel. Visez le déphaseur, maintenant toucheront pour vous déphaser. Hein? C'est qui le déphaseur? Il est où le déphaseur? C'est lui le déphaseur? Ouais, c'est lui le déphaseur. Mais attends, comment je fais pour le niquer, lui? Ah ouais, ça le tue direct comme ça. Oh, le pauvre. Le pauvre, ouais! Bon, par contre, les combos, ils sont pas... Ça manque un peu de combos pour l'instant. Bon, on est au début du jeu, on va pas non plus pleurer. Schleck! Jeu sorti uniquement sur PS5. Est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que ça va être une belle découverte? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Ok, très couloir, t'affrontes des ennemis, couloir ennemi, pourquoi pas? Oula, attaque de puissance rouge. Donc ça peut pas... À mon avis, on peut pas se protéger. Ni les bloquer, il faut les esquiver. Très bien, y a pas de problème. Comme celui-là, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Déjà ? Mais je pensais que c'était un mini-boss, moi. Rien du tout. C'était un bouclier. Good luck. Eh, hey, couchez toi! Ils sont tous niveau 1 chez Petite Bête. Il y avait rien à récupérer ici, ça sert à quoi de venir ici, s'il y a rien à récupérer? A tuer 3 chiens, c'est tout. Ok, très bien. La musique est bonne. C'est posé, c'est calme, c'est cool. C'est grandiose. C'est Godfall. Qu'est-ce qui va se passer? Attention! Schleck, le haut seigneur de Gawalagala, de Phalanxar. Tue-toi, toi. Oh, bien, il esquive. Mince, il est moins con que les autres. Oh la vache! Ouf, j'ai failli me le prendre celui-là, j'ai failli rater l'esquive. Par contre, l'esquive sur le bouton X, j'aime pas du tout. Attention, on se recule, on sort de la zone, on attaque. Oh la vache! Non, on sort de la zone en fait. Sinon, on va cramer, ouais.
Oh la vache. Il va me filer son arme, je te le dis moi. Allez, on esquive. Et on frappe, on frappe. J'ai raté, bordel. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, cinématique. Il est vaincu, le boss. Il est vaincu. Il est vénère. Un cube? Un cube Aura Dream? Non, c'est dans un autre jeu, ça. Hello, Orin. I knew I'd see you again someday. Qui est-ce? La voix mystérieuse. You know why I'm here. Mais il est mort, Lot. Il est où, Lot, là? Pique-lui son arme, ouais. Ok. Ok. Enquêter sur la cache des Valorians. Très bien. Ils sont où, les petits toutous? Eh, les petits toutous. Ah, les petits toutous, ils sont là. Viens ici. Oh, ils ont plus de vie. Oh la vache, ils ont beaucoup plus de vie. Ils sont niveau 2. Ah, je suis niveau 2 aussi, les gars. Faites gaffe. Ah mince, je pouvais faire un truc. Je l'attrape et je l'écrase. Ah, c'est un peu léger, c'est un peu léger. Oh, la musique, là. Entraînante. Avec les tam-tams. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pierre de transformation. Les pierres de transformation sont des butins non identifiés qui possèdent 5 niveaux de rareté. Ok. On va pouvoir crafter des machins, j'ai l'impression. Pour vendre mieux d'équipement et équiper une arme. Attribut. La puissance améliore les dégâts de votre arme, la vitalité améliore votre santé, l'esprit améliore très bien. On peut améliorer la puissance, ouais. Colère d'archon. C'est quoi ça, colère d'archon? Ok, c'est pour ok. Eh oh, j'ai pas fini là. Armurie. Équipé. 20 de DPS physique, ok. Et là, c'est 25 en DPS feu. On va tester ça. À mon avis, c'est peut-être un peu plus lent. On peut en équiper deux, c'est parfait. On va pouvoir switcher entre deux armes. Nickel. Compétences. Dépenser des points de compétences pour débloquer des nouvelles compétences de combat. Vous pouvez toujours réattribuer des points de compétences plus tard, évidemment. On le sait bien. Technique d'armes. Eh ben, on a... Mais il y a pas mal de petites choses à débloquer dans ce jeu d'un seul coup, là. Pour effectuer une glissade risquée... Ok, ouais, ça va être stylé, ça. L1 plus rond pour effectuer un lancer de bouclier en arc qui touche tous les ennemis. Mais non, 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 mais arrêtez, là. Appuyez sur L2 et 1 pour effectuer une technique du nord. Et L2 et R2 pour la technique du sud. La technique du nord ou la technique du sud? Allez, on va prendre ça, je pense. Et l'attaque polarisée. Et là, je peux pas prendre ce qui est au milieu. Chargez votre attaque polarisée en frappant les ennemis avec votre arme lorsqu'elle est entièrement chargée. Changez d'arme pour déclencher une onde de choc et augmenter vos dégâts d'armes de 20% pendant 30 secondes. C'est le bordel. Ok, technique d'arme. Achetez. Achetez. J'achète. Et après, ça débloque comme ça. Très bien. Ok. J'avais qu'un seul point. Eh ben. Mais ça va être sympathique, ça. J'aime bien, moi, des petits jeux qui augmentent comme ça les compétences des personnages. Ça me plaît bien, moi. Et toi, ça te plaît bien? Ouais, moi, ça me plaît. Il y a quoi, là? Il y a rien pour l'instant. Équipement. Attends. Amplification, c'est quoi? Amplification, c'est quoi encore ces trucs-là, là? Attirail. C'est toi, l'attirail. Je peux rien mettre. Amulette, j'en ai pas. Anneau.
Une breloque. J'en sais rien, moi. Une bannière. J'ai rien de tout ça. Anneau. Un anneau pour les gouverner tous. On n'a pas. On vérifie quand même. On sait jamais. Technique du sud. L2 plus R2. J'ai rien compris. Mais ok, pourquoi pas. Ouais, ok. Aïe! Détends-toi, le schtroumpf, là! Il est fou, lui! Tiens, je peux te calmer, moi, avec tes frères, là. Et eh ben on va devoir ramasser du tremble-terre, une arme. Comment je fais pour changer d'arme? Ah ben voilà, c'est avec triangle, on a trouvé l'épée ou le marteau. Oh, je suis un malade mental, je suis... Non, pas Kratos, pardon. Je suis Kageombre. Et eh ben, c'est plutôt sympathique tout ça. The monolith is a weapon like no other. It has the power to reshape reality. And your brother. Laissez-les tranquilles! Voilà! Bam! 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 Tiens, un coup de bouclier. Par contre, c'est très lent. Très très lent. Mais c'est efficace. C'est énorme. C'est énorme, je te dis. C'est puissant. C'est incroyable. Ok, on va devoir explorer en profondeur le temple de Solfrage. Ah, encore, mais il y a des coffres de tous les côtés, bordel. On ramasse. Bah écoutez, ça va être un épisode très très court, mais on va s'arrêter là. J'espère que cet petit épisode vous a plu, cette nouvelle petite découverte, c'est vraiment très léger. Vraiment, on a fait quasiment que le didacticiel. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse de voir la suite, quelques épisodes sur YouTube. Ou sinon on fera aussi quelques épisodes par la suite sur Twitch également, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Kageombre 2.0, voilà, c'était un jeu qui s'appelle Godfall, avec un homme à tête de lion qui se retourne, qui fait des techniques complètement déjantées. Regarde-moi ça avec son bouclier en plus. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez passé des bons réveillons, tout le bordel, passez un bon Noël, amusez-vous bien avec vos petits cadeaux, et on se retrouve bientôt en live. Allez, c'était le Kageki, c'était le Kagequoi, c'était le Kageombre. Je vous embrasse tous, et je vous dis sûrement à très bientôt.